C'est ce que l'on appelle la mesure de carte scolaire. À partir de la semaine prochaine, 5 classes d'école primaire vont fermer, 6 autres ouvriront leurs portes ailleurs. Les syndicats d'enseignants, eux, déplorent un réajustement qui intervient 2 semaines après la rentrée, alors que tout le monde a pris ses marques. Les explications de Lucille Guichet et Jérôme. À l'école primaire Vaiaha de Fa'a, une classe de CP devrait fermer la semaine prochaine. À la sortie des classes, les parents d'élèves n'ont pas encore été informés. Je ne suis pas au courant de ça. Voilà. Est-ce que ça vous inquiète ? Pour certains, oui. C'est la classe de mon fils, on verra bien en réunion. Moi, ça ne me dérange pas du tout vu qu'ils n'étaient pas beaucoup. Au total, 5 classes vont fermer dans les écoles primaires de Tahiti, à Papeete, Fa'a, Punaouya, Pirae et Papara. 6 classes vont ouvrir dans d'autres écoles jugées surchargées, à Papeete, Fa'a, Punaouya, Pirae, Papara et Raiatea. Le syndicat Stipa Epeunsa déplore un manque d'anticipation. 2 semaines après la rentrée, enseignants et élèves sont désormais installés. Le ministère nous avait annoncé qu'il n'y aurait aucune fermeture à la rentrée. Et force est de constater qu'il y a des fermetures. En fermant une classe, les effectifs vont changer par classe. On aura des classes un peu plus chargées que d'habitude et on aura un enseignant qui devra quitter l'école. Pour la Direction générale de l'enseignement, c'est une question d'effectifs. 25 élèves maximum par classe en élémentaire, 26 maximum en maternelle, à l'exception des écoles classées REP+. Entre le mois de janvier, nos prévisions, et puis la réalité de la rentrée au mois d'août, il y a des mouvements de population. Et au sein de certaines communes, on a vu sur des écoles qui sont assez proches les unes des autres, parfois 30 à 40 élèves de moins dans une école, 20 à 30 élèves de plus dans une autre école. Eh bien, on a fait un petit bouger. La Fédération des associations de parents d'élèves n'a pas souhaité s'exprimer avant de rencontrer le ministre de l'Éducation. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.